voulais faire comme dans le catch. Bonsoir à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et attention, vidéo un petit peu spéciale, bande de fils de chiens. Et oui, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez déjà de quoi traite la vidéo puisque vous y participez. J'espère donc que vous êtes 67 000 à participer et donc 67 000 abonnés à mon compte Twitter. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, si on se retrouve, c'est tout simplement parce que je vous ai demandé de me clasher sur Twitter. Parce que j'avais envie de me prendre la tête avec vous, là. Ces derniers temps, on s'entendait trop bien, ça allait pas, là. Il faut redescendre d'un cran. Je vais vous aplatir comme ça. Comme ça. Donc j'espère que vous êtes chaud derrière votre écran, parce que vous savez quoi? Tellement nul comme effet. On est parti. Je vais enlever ses lunettes. Je suis pas là pour jouer au poker, seulement pour niquer des mères. Putain, faudrait que je la garde celle-ci. Le 9 mai 2017 sur Twitter, voici le tweet que je vous ai posté. Clashez-moi de manière originale, je vous répondrai dans la vidéo de samedi soir si j'ai assez de réponses. Et vous avez été 187 à répondre. Très bien, 187 personnes qui veulent se faire clasher à ce que je vois. Oh là, c'est quoi le bruit de ma chaise là? On commence avec Marozen HD. T'es sûr que nous les noirs te considérons comme un des nôtres? Je pense que ta couleur de peau ne voulait pas s'exprimer quand tu étais petit. Alors déjà, tu baisses d'un ton Marozen, parce que quand on a HD dans son pseudo, déjà ça veut dire qu'on vit dans le passé. De deux, je suis pas totalement noir, je suis mi-blanc, mi-noir, parce que je suis métisse. Un mélange de couleurs, oh. Je sais mettre... Non, c'est... Donc tu baisses d'un ton, s'il te plaît, Marozen. Mastu est la preuve que les stéréotypes ne mènent à rien. Finalement, tous les noirs n'ont pas de grosses bites. Désolé Mastu, bisous. Alors attends, parce que j'ai vu que t'avais une chaîne YouTube, on va aller voir ça tout de suite, mon grand. On est parti. Tu vois, Soro, il était mieux que ton intro. C'est de la poudre de faire un pain. Mastu, tu es tellement noir que papy est plus blanc. Et plus blanc que toi? Néo, il fallait clasher, pas dire de la merde. Tu parles que de sexe, mais en vrai, tu le fais seulement avec tes animaux, bra bra. Si on considère que ta mère... Non, je peux pas dire ça, c'est super sale. Le mec, le pauvre, il va plus jamais commenter mes tweets après. Ta peau est plus brillante que ton avenir. Vite, faut que je trouve quelque chose à dire. T'es un petit bâtard, toi. On va passer cette question, je trouve pas une réplique. Tu es le dieu de la mocheté, chercher l'erreur. Ah, t'inquiète pas, on l'a trouvé l'erreur, elle est juste là, t'es con ou quoi toi? T'es plus laid qu'une brique de lait. Mais ça, non, moi j'ai des briques de lait chez moi, elles sont super belles. Genre à chaque fois quand les gens ils viennent dans mon frigo, ils disent ouais, la brique de lait elle est trop bien, j'aime trop. Alors, d'accord, s'il te plaît Alexis. Tes narines et ton anus sont aussi gros que ta bouche à force de faire enculer. D'accord, d'accord, bah écoute c'est cool si tu te fais enculer par le nez tous les matins. Essaye de frotter tes mains l'une contre l'autre. Bah tu vois, ça part, plus qu'à faire ça pour le reste du corps et c'est bon, t'es blanc. Alors, Saint-Tim, je suis pas d'accord, je vais vous expliquer. Quand j'étais petit, j'étais blanc aux yeux bleus. J'étais blond, tout ce que tu veux. Et là, mes parents faisaient un barbecue. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé dans le barbecue. Et c'est comme ça que je suis devenu noir. Enfin bronzé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pas une histoire de frotter ou quoi, c'est une histoire de barbecue. Papy a un niveau de punchline plus lourd que ce que tu soulèves à la salle. Ouais. C'est pas faux. T'as encore moins de caractère qu'un tweet. Bim, allez, tu vas faire quoi? Bah déjà deux choses, c'est que premièrement, bah 140 caractères c'est pas mal déjà, non? Pété de rire comment t'as niqué son délire. De deux, on sait très bien que c'est pas toi qui a inventé cette punchline, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Donc écoute, comment tu t'appelles? Le rêveur debout. Ce que je peux te proposer à partir de maintenant, c'est d'aller rêver en PLS, merci. C'est de la poudre de faire n'importe quoi. Mastu, t'es tellement poilu que quand tu te promènes avec ton chien, c'est toi qu'on caresse. C'est marrant parce que je trouve que quand on s'appelle Rafou, on est tout de suite pas crédible. Tu sais, c'est un prénom de victime un peu. Et je suis désolé de te décevoir, mais je ne suis pas poilu. Je dis pas que t'es une pute, Mastu, mais ton grand-père te pénètre plus facilement qu'il terre avec la Pologne. Eh oh, va pas croire que ta vanne était drôle, ok? Papy me pénètre pas autant que tu le penses. Tu es comme une pucelle dans un gangbang, t'en branles pas une. Bah c'est pas faux hein, je suis hétéro donc Tu peux aller te coucher à partir de maintenant. Tiens tiens tiens, Tooney, t'es tellement moche que quand t'épluches un oignon c'est lui qui pleure. Je ne sais pas où sont les oignons. Oui maman, c'était pour savoir, tu sais les oignons, ils sont... Tu les as mis où? Parce qu'en fait j'ai envie de manger des oignons et je voudrais les éplucher, s'il te plaît. Bon bah voilà, il reste plus qu'à attendre une petite heure et puis hop. Oh bah dis donc. Bah qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, la meilleure marque de boisson qui apparaît comme ça sur ma table, c'est dingue. Oh, en plus, je suis en train de faire un concours sur Twitter en ce moment où j'ai besoin de beaucoup de retweets et de likes sur ma vidéo. Donc je mettrai le lien dans la description. Putain les gars, génial, merci pour le chèque de 500€. On va pouvoir reprendre la vidéo. Ta mère met des shorts. Quelle est cette punchline? Je ne me laisserai pas faire. Ton père met des Bermudas. C'est de la poudre de perlimpinpin. Mais c'est trop dur à dire ta phrase de merde, on passe. Puisque t'es noir, tu différencies pas le mot volé et le mot acheté. J'ai la flemme de répondre, du coup, vas-y, je m'en bats avec. Ton père, c'est une femme. Ah, oui, t'inquiète, je sais, on couche ensemble. Ça fait quoi d'avoir 10 cm inutiles entre les jambes? Bah écoute, y'a certaines demoiselles qui ne s'en plaignent pas, si tu vois ce que je veux dire. Je suis vraiment un gamin. On t'a payé combien pour cette photo? Putain, fais chier là! Et ça, c'est facile comme blague! Moi aussi, je peux la faire, hein! Attends, faut que je trouve. Tu vas me respecter maintenant, Rasmo! Tu sais ce qu'on fait aux garçons comme toi? On les invite à faire du bilboquet! Je sais pas pourquoi je dis ça, voilà, bonsoir. T'es tellement pété comme youtubeur que tout ce que tu sais faire, c'est répondre à des tweets en vidéo, sale pute! Ah ouais, ok! T'es tellement pété comme abonné! Vas-y, je le bloque, il m'a saoulé. T'as un gros zizi! Alors, papy a plus de poils sur la teub que t'en as sur le crâne. Ouais, et bah dis-toi que j'ai plus de poils sur le crâne que t'as de centimètres dans le caleçon. T'es tellement noir que ton daron il t'a pris pour du charbon quand t'es né. Mes parents faisaient un barbecue. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé dans le barbecue. Non. Bon, et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Bien entendu, vous vous doutez que tous ces clashs étaient pour rire, je sais que vous n'en pensez pas moins. Vous savez que moi aussi, je n'en pense pas moins, bande de chiens. Si la vidéo vous a plu, il est conseillé de laisser un pouce bleu et de s'abonner à la chaîne. Apparemment, on m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire, après c'est vous qui voyez. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye les boys, wouh! Hey, si tu ne t'abonnes pas, c'est un coup de zizi qui viendra se poser sur ton front. Alors clique juste ici.